Williams TV. Restez sur Diffiant TV, merci de nous renouveler votre confiance sur ce nouveau programme d'échange avec nous. Recevons une footballeuse internationale ivoirienne, elle c'est Sylviane Adjoa Kokora, elle joue au Sporting Club de Casablanca, championnat de première division du Maroc. Elle nous fait l'honneur, n'est-ce pas, de venir dans nos locaux pour échanger avec nous. Bien sûr, on parlera de sa carrière, comment est-ce qu'elle a débuté à jouer du côté de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il l'a motivé dans ce choix difficile qui est un sport, n'est-ce pas, réservé pour la plupart pour les garçons. Et on parlera de son parcours, sans oublier sa saison sportive avec son club, Sporting Club de Casablanca. Vous voulez en savoir plus sur Sylviane Adjoa Kokora, restez, n'est-ce pas, scotché. Je vais juste faire une pause de pub et je reviens derrière. GFM's TV. Elle est donc présente avec nous, c'est Sylviane Adjoa Kokora, internationale ivoirienne. Elle joue pour Sporting Club de Casablanca. C'est un plaisir de vous avoir dans nos locaux. Sylviane, bonjour. Bonjour, monsieur Bertrand. C'est un plaisir d'être avec vous ici. Merci. Il faut avouer que ça n'a pas été facile de vous déplacer. Vraiment. Vraiment. Ah oui, je sais, mais avec l'amour et les obligations que vous avez quand même pu trouver un instant, une minute pour venir vers nous. Ouais, c'est normal. C'est normal. Alors, on va essayer de développer l'artu. C'est 50 minutes à passer avec nous pour parler un peu de vous. Sylviane a commencé à jouer au football, ça c'est clair, du côté de la Côte d'Ivoire. Quel est le moustique qui vous a piqué? J'ai commencé le foot depuis le bas âge, avec mes amis du quartier, c'est-à-dire les petits garçons du quartier. J'ai commencé avec les hommes. Au fur et à mesure, bon, le foot, c'est inné au fait. J'ai repris ça de ma mère parce que je viens d'une mère aussi, une ex-footballeuse. Ma mère est une ex-footballeuse, donc ça, c'était facile pour moi aussi de m'intégrer. Elle a joué au haut niveau, maman? Maman a joué avec... aujourd'hui, avec, comment dirais-je, au niveau de... Le championnat de première division en Côte d'Ivoire. Première division, bien sûr, là, j'ai avec maman, le coach sélectionneur Clément, Touré Clémentine. Ah bon? Oui, ouais. J'étais ensemble. J'étais ensemble, mais ça n'a pas été un problème pour moi, pour ma famille surtout, d'accepter ce que j'ai fait. Parce qu'il y a des familles aujourd'hui qui refusent que les filles jouent au foot. Exactement. Donc pour moi, ça a été... Un peu facile parce que maman avait déjà... été ouais. Une footballeuse aussi. D'accord. Et quand vous commencez à jouer avec des garçons, est-ce qu'en ce moment-là, c'est juste un plaisir ou alors vous vous dites, je vais aussi être comme des joueurs professionnels? Au début, je jouais pour le plaisir. C'est vrai, je jouais pour le pourquoi, plaisir. Pourquoi qu'est-ce qui faisait que vous sortez du jeu des filles, c'est-à-dire des claquettes, des sauts et autres, mais maintenant aller courir derrière le ballon? Ah, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. C'est dès le bas âge, même moi, il n'y a pas la mentalité d'une. De qui parce que je t'en passe ou bien non. Oui, parce que nous, on est habitué à voir les filles à la corde. Contre, voilà. Non, pour moi, c'est jouer bille. Voilà. Ou bien aller jouer au foot à mes petits frères. À mes petits frères. C'est tout. Alors maintenant, vous éprouvez du plaisir bien à sûr. Jouer au football, à courir après le ballon. Et il y a cette envie-là de toujours montrer ce que tu as dans les jambes. Est-ce qu'au départ, tu entendais déjà des échanges liés au football à la maison, puisque maman avait déjà fait le premier pas? Il y avait des échanges, des discutes sur le foot, sur des matchs de foot à la maison, à la télé? Bien sûr.
Bien sûr. C'était des débats. C'était des débats, jusque des débats. Uh-huh. Jusque des débats. Au fur et à mesure que j'écoutais, mais j'ai grandi avec ça aussi. Mm. J'ai grandi avec ça et je me dis pourquoi ne pas me lancer aussi dans ce domaine-là. Alors, quand je regarde un peu dans votre enfance, il y avait aussi, n'est-ce pas, on sait que les enfants, c'est les dessins animés et autres, mais je pense que vous, c'était les matchs de foot, même sans toutefois bien comprendre. Sans rien comprendre. Mm. Une fois, même qu'il y a les maracanas du quartier, c'était mon aller m'asseoir pour toujours regarder les grands télé jouer. Je jouais même souvent avec les grands. Tu étais dans quel quartier c'était à Abidjan, j'imagine. Abidjan, mais il est un enfant d'Abobo. Abobo. Apparemment, Abobo, c'est un quartier qui fait naître des stars, musique comme football. Bah, presque partout, hein. Presque partout. Presque partout. Mmh. Alors, vous commencez à jouer en Côte d'Ivoire, bien, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez encore une idée du premier club qui vous a adopté? Bah, on a commencé d'abord dans des quartiers avec des amis, filles bien sûr, des filles avec qui je jouais. On avait pour tendance de jouer juste les petits tournois des Maracana et autres. Mm-hmm. Et c'est comme ça, il y a un monsieur du nom de Kone Ibrahim, c'est un ex-international, mm-hmm. qui avait déjà son club masculin. Oui. Il a voulu s'engager dans le club, il a voulu s'engager avec aussi des filles. Il dit pourquoi on n'est pas lancé des filles. C'est comme ça qu'il nous a appris, nous, notre groupe, mm-hmm. qu'on avait pour habitude de jouer les tournois, les Maracana. Il nous a dit, ah, ok, venez, vous allez jouer. Mm-hmm. Et j'ai commencé directement avec la première division. Mm-hmm. Fini. Bon, quand on te regarde physiquement, tu es petite de corps. Et est-ce que tu n'avais pas peur des coups à tout moment? Comment tu parvenais à supporter cette masse-là qui venait des autres? Bon, il acceptait tout ça. Mm. Au début, quand je voyais des costauds filles, il y avait peur au fond de moi. Mm. Mais il dit pourquoi ne pas aller affronter. Mm. Voilà, c'est un peu ça. Et au fur et à mesure, tu as appris. Il a appris aussi avec l'expérience et aussi. Qu'est-ce qui faisait ta force à cette époque-là? Techniquement parlant, tu avais des qualités techniques ou alors tu courais beaucoup, tu allais vite? C'était non. Quoi la particularité de Sylviane? Bon, mon enfance, là, je peux dire, peut-être c'était la technique, en fait. La technique. Mmh. J'étais bon techniquement. Et tu manipulais bien le ballon. Mmh. Voilà. Après, les petits ponts, c'est ça. Le léchage du ballon. Ça, il m'amusait plus avec le ballon. Voilà, plus technique. Tu ne fais pas courir le ballon. Non, mais tu cours avec le ballon. Ballon. Voilà, c'est un peu ça, pour ceux qui comprennent très bien. Alors, il y a Étoile Sportive d'Abobo. N'est-ce pas, ce club te dit, quand tu entends le nom d'Étoile Sportive d'Abobo, qu'est-ce qui te revient dans la tête? Ah, mais les gens... Un peu une histoire d'Abidjan, c'est-à-dire comment tout a débuté pour moi. Mm-hmm. Comment le football, en tant que soit, comment mon football a débuté. Tu as encore ça dans la tête? Encore ça dans la tête. Dans la tête. Ouais. Et est-ce que tu as encore des images, des filles? Bien sûr, ils sont toujours en contact. Ah bon? Ils sont toujours en contact. Il y a d'autres aujourd'hui qui sont en Europe, d'autres sont au Maroc, d'autres ont décidé d'arrêter le foot, d'autres sont même mariés. Voilà. Ah, d'autres sont mariés. D'autres sont mariés. Très belle histoire. Mais vous êtes resté là-dedans. C'était en première division en Côte d'Ivoire. L'entraîneur qui vous encadrait, il était comment? C'était quoi? Est-ce que c'était comme votre papa? Est-ce que c'était un grand frère? C'était un grand frère pour nous. Mm-hmm. C'était un grand frère pour nous. Il a toujours voulu du bien. Mm-hmm. Voilà. Est-ce qu'il vous a quand même parlé de ce qui peut se dessiner vers l'avant? Raison pour laquelle il a toujours été dû avec nous, mm-hmm. ce point-là. Ouais. Il travaillait. C'est quelqu'un qui ne triche pas. Mmh. Ne trichez pas pendant son travail. Si tu veux travailler, tu travailles. Si tu ne veux pas travailler. Il y a combien de footballeuses dans la famille? De footballeurs dans la famille? Mmh. Bon, je suis la seule. Tu es la seule? Je suis la seule. Et tu as le soutien de tous tes frères? Je suis l'aîné de la famille, en fait. Mmh. Et tu as le soutien de tous les autres? Oui. Ça, c'est super. Alors, on va maintenant parler un peu de ton départ de la Côte d'Ivoire, parce qu'apparemment tu n'as joué que une seule étoile, voilà. Et puis tu viens au Maroc, ton premier club au Maroc, c'est lequel? Mon premier club, c'est Usman. C'est un club d'Agadi. Mmh. Comment tu arrives au Maroc? Bon, je viens au Maroc par le bien de mon coach en question dont je parlais. Mmh. Il avait des relations ici. Mmh. Des relations ici, et il m'a dit, ah, Sylviane, voilà, il y a un club qui a besoin de toi.
Vous m'avez dit, il y a un club qui a besoin de toi. Voilà, il veut parler avec ta famille. On va trouver une solution à ça. Mmh. Il est en contact avec la famille. Mais malheureusement, il a eu un petit problème. Mmh. C'est-à-dire que lorsque le premier est arrivé, je me suis même entêté de vouloir venir au Maroc sans même connaître quelqu'un ici. Mmh. Je ne connaissais personne, mais il avait un grand ici. Qui n'est ni manager, il ne connaît même pas le domaine du football, oui. Que je connaissais déjà depuis la Côte d'Ivoire, qui m'a essayé de me danger. Et au moins, je rentre au Maroc, c'était déjà la fin du mercato. Oui. Je ne sais pas comment il va expliquer ça, mais j'ai vécu. J'ai vécu jusqu'à c'était ce que. Difficile. C'était difficile. Mmh. Et jusqu'à ce que je croise un monsieur, un Ivoirien, qui est un agent de footballeur. Il m'a dit, ah, c'est ma petite. Il m'entraînait avec les hommes. Tout à fait, oui. Au niveau de moi, média. Il m'entraînait avec les hommes. Nous, chaque jour. Chaque jour. C'est avec les hommes, plus en forme. Il m'a dit, viens, je t'envoie à Lyon pour faire un test. Le club de Lyon. Je pars, le test a marché. La femme en question, la présidente du club, elle me fait signer. Mais malheureusement, il y avait déjà une étrangère dans le club. En ce temps, on prenait qu'une étrangère par club. On comprend pourquoi c'était difficile. Oui. Très difficile. Elle m'a dit signe et on libère la fille. Elle dit non, moi je ne peux pas faire ça. Parce que c'est ivoirienne. Tu n'as pas accepté ça. Il n'est pas accepté. Wow. Elle m'a dit je ne peux pas faire ça. Donc j'ai laissé. Et c'était à deux jours de la fermeture du mercato. Est-ce que c'est très intéressant, très très intéressant. Tu arrives à Lyon, tu trouves une Ivoirienne qui est déjà installée, tu fais tes preuves à partir d'un test, tu es meilleur. Et après, tu vis une situation difficile où tu n'as pas de quoi survivre et tu n'as même pas encore où dormir parce qu'on peut dire voilà. En quelque sorte. Mais tu as une opportunité de signer et d'être prise en charge. Mais le cœur te dit non, il ne faut pas faire du mal à ta sœur parce qu'il n'y a qu'une seule place. Est-ce que ça vient de l'éducation de la famille? Tu es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Est-ce que c'est ça qui t'a amené? Mais l'amour de son prochain. Parce que si demain je signe, elle n'est pas où? Qu'est-ce qu'elle devient demain? La fille a fait trois saisons avec vous, c'est pas à cause parce que je suis arrivé que vous allez la libérer. Donc, Et quelles sont les relations avec la fille en question aujourd'hui? Elle sait que vous l'avez fait pour elle? Je ne sais pas si elle le sait, mais je ne lui ai jamais dit ça. Mais en quelque sorte, nous sommes toujours, c'est comme une grande sœur, on se parle. On ne sait pas, mais je ne l'ai jamais osé lui dire ce qui s'est vraiment passé. C'est très intéressant et très touchant en même temps. Et c'est peut-être ça qui fait que aujourd'hui, tu es ce que tu as. Avant d'arriver, n'est-ce pas, à ce que tu vis aujourd'hui, tu intègres donc. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à. Tu quittes Lyon. Je quitte Lyon. Et qu'est-ce que t'ont dit les dirigeants? Est-ce qu'ils comprenaient ce que tu faisais? Ils ne savaient pas que je quittais définitivement. Je leur ai dit non, je pars pour la fête et je reviens. Et lorsque. Parce que c'était dans la période du. En plein décembre, et je pars pour revenir. J'ai appelé le monsieur qui m'a envoyé là-bas. Il a dit non, moi je ne peux pas signer avec la. Il était même fâché avec moi. Et pourquoi? Je me suis entêté pour avoir un club avec toi, le club est bien. Il dit non. Il a donné la raison, il m'a dit ok, c'est ton choix. Moi j'enlève ma main dans ton affaire. Dans ton affaire. Il a dit ok. Il lâche. Tu te retrouves encore seul. Encore tout seul. Alors, lorsque je quitte la ligne, je pars, je suis en cours de chemin et il y a le club. Parce que le test était contre une équipe. On a joué un match amical contre une autre équipe. Et l'équipe en question m'a appelé pour dire, est-ce que tu as signé avec la Lyon? Je dis non. Immédiatement, elle m'a dit, viens, tu vas signer avec nous. J'étais en plein cas et elle m'a rappelé. Donc, j'ai changé de direction. C'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire ce que tu as fait, tu as ouvert d'autres portes. Sans toutefois le savoir, parce que c'était un choix de cœur. Un choix de cœur. Alors, je veux savoir les contacts avec la famille. Quand tu partais d'Abidjan, est-ce que maman est en larmes? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu es parti sans dire au revoir? Non, impossible. Comment ça s'est passé? Ma mère, c'est tout pour moi. Et c'était très difficile pour elle de me laisser partir. Parce qu'elle a quitté le pays très jeune. Très jeune. Elle était en larmes. C'était difficile. Mais aujourd'hui, j'ai perdu l'âme de Lula parce que j'arrive à me mettre le sourire sur ses lèvres. Tout à fait. Tu es une fille, tu n'es pas un garçon. Et on sait d'habitude que sans les garçons qu'on laisse aller, entre guillemets, en aventure, et que c'est souvent parfois un peu difficile déjà pour les garçons. Mais toi, tu es une fille.
Et puis, il y a cette opportunité qui arrive. Maman, malgré les douleurs, la douleur et autres, te laisse partir. Est-ce que c'est ça qui te donne un peu, on peut dire, une surmotivation? C'est-à-dire, bon voilà, je vais, maman, mais quand je reviendrai, je ne serai plus la même. C'est ça. Ouais. Ma famille, c'est ça ma motivation. Ma famille, c'est ma motivation. Surtout ma mère. Je ne blague pas avec ça. Et quand je regarde la situation de la famille, il me dit non, il faut que je travaille. Je travaille, je travaille. Et c'est mieux que ça. C'est assez impressionnant maintenant. Tu parles de Ousmane. Tu parles de Ousmane. De Ousmane, ouais. Et je vois, tu rejoins Araf. Oui. Tu rejoins Araf. Comment se fait la transaction? Oui, c'était très bien. J'étais en fin de saison avec Usman et je n'avais pas envie de renouveler. De renouveler le contrat. Et avant de quitter le club, il y a quelque chose qui s'était un peu passé. Parce que moi, j'ai décidé de signer si la présidente restait en place. En place. Et lorsque j'ai changé le président, il dit, bon, moi, il faut que je change. Je suis allé avec Araf, c'est toujours même Agadi. Toujours même Agadi, c'était très bien passé. J'ai passé une très belle saison avec lui. Surtout la saison dernière, c'était vraiment quelque chose de super. De super. Alors, quand tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, il y a une différence de langue, de culture, de vie, l'environnement n'est pas le même, surtout encore la langue, comme on disait tout à l'heure, et la culture aussi. Tu viens d'un pays francophone, avec des valeurs africaines. Oui. Tu es jeune. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Je ne sais pas vraiment, c'était difficile, mais le fait de vivre avec eux m'a cultivé, au fait. Ça m'a cultivé. Et après, plus avec ces personnes-là. C'était tellement difficile dès le début. Ils sont tes pas, c'est pas ce qu'ils te disent. Le manger n'était pas le même? Le manger, l'odeur même, tu n'as même pas envie de manger. Mais maintenant, ça va. Ça va. Ouais. Ça va. Et comment tu parviens à collaborer maintenant avec la communauté marocaine? Parce qu'en club, il y a des Marocains. Oui. Comment ça se passe? Le regard? Ça va. Il a imposé le respect. Tu as imposé le respect. C'est venu par le talent ou par la manière de parler? Par le talent et par la manière aussi. Parce que auprès d'eux, j'ai appris les langues. Et parfois même, c'est... Non. Non. Tu parles bien maintenant? Mais je suis une Marocaine. Donc on peut dire que tu as retrouvé une autre famille déjà depuis un moment. C'est un peu quelque chose qui peut permettre aux autres, n'est-ce pas, d'apprendre et de savoir que rien n'est facile. Il faut passer par des moments difficiles pour retrouver un peu le sourire. C'est vrai. Alors le football aujourd'hui, c'est tout pour toi? Le football, c'est toute ma vie. Parce que j'ai tout abandonné pour le foot. Donc je ne peux pas jouer avec ce qui me donne à manger. Et qu'est-ce que tu penses, n'est-ce pas, du football féminin en général? Qu'est-ce que tu penses du football féminin? Parce qu'il faut dire que le football féminin n'est pas encore pris à son meilleur niveau, en considération, je veux dire. Même au niveau des instances fêtières, les salaires ne sont pas les mêmes que ceux des garçons. Est-ce que vous qui travaillez aujourd'hui, vous vous dites que ça pourra changer demain? Ouais, on espère toujours, raison pour laquelle on se bat. On espère toujours. Parce qu'aujourd'hui, le football féminin même déjà commence à avoir de la visibilité. C'est pas comme des années précédentes, au temps de nos grands soeurs. Aujourd'hui, ça va. Mais on espère qu'un jour, les dirigeants ou bien les responsables vous auront l'œil sur nous. Ouais, on espère tout ça. Alors, vous êtes aujourd'hui au Maroc. Ça se passe plutôt bien pour vous, puisque vous avez su vous adapter. Quelle est la différence entre le football féminin marocain et le football féminin ivoirien? À quel niveau se situe la différence? Au niveau de l'organisation. Le football ivoirien est très mal organisé. Je parle du côté féminin. Est très mal organisé. Bien sûr, c'est le football féminin qui nous intéresse. Oh, j'ai pas parlé. Le football ivoirien, féminin ivoirien, en tout cas, il est très mal organisé. Il y a des mauvaises vues. Des mauvaises vues là-bas.
Est-ce que le problème se pose au niveau de la structuration des clubs ou alors les dirigeants ne prennent pas encore la chose très au sérieux? Ils ne prennent pas au sérieux. Sinon, il y a le talent. Aujourd'hui, toutes nos sœurs sont sorties du pays. Parce que quoi? Le talent est en train de mourir chez nous. Elles sont obligées de sortir, de se chercher. Peut-être que ces mêmes filles-là, elles ont tout abandonné pour le foot aussi contre moi. Mais elles sont en train de tenir noir au pays. Elles vont venir jouer, vous allez donner que des miettes. Aujourd'hui, vous jouez pour Sporting Club Casablanca. C'est cette saison que vous avez commencé avec ce club. Oui, j'ai commencé au Mercato avec eux. Alors, quelle était la motivation? Vous voyagez beaucoup, hein? À SMAM, à RAF, Sporting Club Casablanca, on dirait que... J'étais en fin de contrat avec RAF et il y avait des propositions aussi, c'est-à-dire les phares, entre les phares et Sporting. J'ai passé un moment avec les phares, j'ai trouvé que... Il n'y a pas trop entré dans les détails. Et il y a Sporting aussi qui m'a appelé, il y a une grande soeur qui joue dans ce club qui m'a beaucoup motivé. C'est ma capitaine aujourd'hui. De Sporting. De Sporting, c'est une conseillère ivoirienne. Et qui m'a motivé, il m'a dit, ma petite, il sait ce qu'il y a de mieux pour toi, viens. Et tu ne vas pas regretter. Aujourd'hui, ça marche. Ça marche bien puisque vous faites une bonne saison, ça il faut le dire. Vous sortez troisième au classement. Derrière l'équipe de la Youn et AS Phare, quel a été ton apport dans cette équipe de Sporting Club Casablanca? Est-ce que les dirigeants ont senti qu'il y avait un plus dès ton arrivée? Moi, je ne sais pas dans le cœur, mais en quelque sorte, je suis un peu fier. Je suis un peu fier puisque je reçois des messages du président ou bien des différents... L'entraîneur te faisait confiance? Bien sûr. Si l'entraîneur te faisait confiance, ça veut dire que tu prouvais sur le terrain. Ouais. Alors maintenant, Sporting Club de Casablanca t'adopte et tu fais... un parcours, disons, élogieux. Quels étaient les défis quand tu entrais dans cette équipe? Les défis, c'était lesquels? Mon premier défi, d'abord, c'était de m'imposer dans le club. Et si quelqu'un, je suis une mauvaise perdante, j'aime pas perdre. Tu pleures souvent? Bien sûr. Ah bon? Même quand je marque, je pleure. Ah. Même quand je marque, je pleure. Mais ça, c'est les pleurs de joie? Bien sûr. Maintenant, il y a les pleurs de tristesse aussi. Tristesse. Quand tu perds? Quand je perds, bon, j'ai perdu combien de matchs? J'ai perdu moins de matchs. Il y a un match que j'ai perdu qui m'a tellement fait mal. J'ai coulé les larmes dans les vestiaires. Alors, imaginons une situation où vous jouez un match de championnat. Tu donnes tout. Tu donnes tout ce que tu as dans le cœur, dans les jambes. Je peux dire, tu inscris un but qui peut vous donner 3 points. Et puis, à la dernière minute, vous vous faites battre par l'adversaire à cause d'une coéquipière, par exemple. Comme tu n'aimes pas la défaite, quelle sera ta réaction? On ne peut pas accuser directement la coéquipière. Le football, c'est un jeu collectif. La faute, c'est à tout le monde. La faute, c'est à tout le monde. Il va d'abord moi, me poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on reçoive ces buts-là? Alors, les dirigeants ont quand même... afficher des objectifs au Sporting quand tu es arrivé. On t'a montré la feuille de route. Est-ce que c'est le bon? Tu as parlé de la motivation de tes sœurs, ça c'est clair, mais il y avait quand même aussi des très bons projets. C'est qui aussi m'a aussi motivé à venir. Maintenant, tu te sens bien à Casablanca. Très bien. Voilà. Et avec le club de Sporting de Casablanca, bien sûr. Il y a une équipe qui domine littéralement le championnat marocain, c'est l'AS Phare. C'est quoi la stratégie? Qu'est-ce qu'il faut pour aller. Je vais un peu revenir aux chiffres. AS Phare termine premier avec 76 points. Le deuxième, c'est la Youn, 63 points. Regardez l'écart, c'est environ 13 points, je crois. Et puis, voilà, donc, c'est une équipe qui… c'est quoi les joueurs? C'est la qualité des joueurs et la qualité de l'organisation. D'abord, c'est une équipe qui est très, très, très bien organisée. Mmh. Une équipe très professionnelle aussi. C'est une équipe à respecter. Une équipe à respecter. Il met du sérieux dans le travail. Oui. Une fois qu'il y a du sérieux dans tout ce que tu fais… Les potes souffrent. Et c'est un peu ça. D'accord.
Et il y a quand même l'envie. L'envie, oui, il y a la niaque sur le terrain. Elle joue avec le cœur, ces filles-là. Et quand vous jouez contre cette équipe-là, je ne blague pas avec eux. Tu ne blagues pas? Non, je ne blague pas. D'ailleurs, je comprends pourquoi ils ont voulu te prendre. Je comprends pourquoi ils ont voulu te recruter. Voilà, parce que ce n'est pas évident, n'est-ce pas, que cette équipe puisse chercher des joueuses ailleurs. Si les dirigeants ont l'œil sur toi, c'est que vraiment, tu peux apporter quelque chose de sérieux. Quels sont, n'est-ce pas, aujourd'hui, les échanges avec maman? Le cœur est apaisé. Est-ce qu'aujourd'hui, on a oublié tout ce que tu as vécu? Il y a toujours sa bénédiction. À chaque fois qu'elle m'appelle, c'est pour me bénir. Et du moment où une mère te dit directement à l'oreille, j'ai confiance en toi, ça veut dire beaucoup de choses. Et c'est ce qui me donne encore plus de force. C'est mon plus de force. Mais aujourd'hui, ça va. Maman est très fière. Alors, vous allez jouer les demi-finales de la Coupe du Roi avec le Sporting. Ça montre encore, n'est-ce pas, votre efficacité dans ce championnat avec ce club Sporting que je ne néglige pas d'ailleurs, hein, mais j'estime quand même qu'avec les moyens que vous avez fait un peu plus. Quel est le rêve que vous avez dans ce match des demi-finales? Vous ne connaissez pas encore l'adversaire, mais vous rêvez quand même atteindre la finale. Oui, c'est le but. Le but, c'est la finale. Parce que j'ai raté ma finale l'an passé, cette année je ne vais pas la rater. Vous avez joué la finale l'an passé? J'ai joué la finale avec Araf. On a joué contre les Phares. Elles nous ont battu 1-0. Toujours les Phares. Alors, chers dirigeants, si vous voulez jouer la finale de la Coupe du Roi, voilà la personne indiquée, Sylviane Adjoa Kokora. Elle a joué la finale l'année dernière. Elle est en train d'aller chercher une autre finale cette année. Ça veut dire que vous vous baladez avec les finales dans le dos. Ah! Il sait pas. D'accord, chers abonnés, on va, n'est-ce pas, marquer une pause et puis on viendra parler du football féminin en Côte d'Ivoire et de la sélection ivoirienne de football féminin. Il ne faut pas oublier qu'elle est internationale ivoirienne et que la Côte d'Ivoire a manqué de se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations 2022. A tout de suite. TV. Retour donc sur ce plateau d'échange avec, nous recevons Sylviane Adjoa Kokora, donc elle continue l'échange avec nous, c'est très 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 free, ouais. Comme on dit. Tranquille. Voilà, c'est tranquille, c'est free. Alors on va aborder un peu le deuxième pan de notre émission, c'est la sélection nationale, les éléphants. Vous êtes ivoirienne dans le sang, dans l'âme, et certainement vous voulez faire des choses avec votre équipe nationale, et pourquoi pas offrir des trophées. Alors aujourd'hui, il y a quand même le fait que le football féminin ivoirien soit encore en retard. Et il faut noter que la sélection ne peut vivre que des fruits du championnat, avec des joueuses locales. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a comme problème? Est-ce qu'il manque de financement? Est-ce qu'il manque du sérieux dans la prise en charge de l'équipe nationale de féminine de Côte d'Ivoire? En quelque sorte, ce que je peux dire de la sélection, c'est au niveau du ministère, qui jette un peu de coup d'œil sur le football féminin. Parce qu'il y a trop de choses qui me portent dans les détails, ça ne me concerne pas. Nous, on connaît. Voilà, voilà. Vous connaissez. Nous, on connaît. Ça ne me concerne pas. Que je ne veux pas rentrer dedans. Et tout ce que je veux, c'est que je prenne justement, les choses au sérieux. Exact, justement, nous, on parle, tu es joueuse, tu fais ton travail de joueuse, de footballeuse. Je voulais juste savoir dans les...
dans l'aspect technique, dans l'aspect technique, il y a certainement des manquements. C'est-à-dire, est-ce que vous, le travail se fait dans de bonnes conditions? Est-ce que on appelle les personnes, en fait, vous jouez dans des conditions idoines? Que ce soit pour les filles qui doivent venir jouer, c'est le travail de la sélectionneur. C'est son travail. Donc, elle appelle ses filles, confiance. En confiance. Ouais, c'est un peu ça. Et lorsqu'elle appelle, l'appel, ça donne ce que ça doit donner. Même si le résultat est positif comme négatif, ça ne veut pas dire qu'elle fait du mauvais travail. Je suis désolé. Ça peut être des coups du sort. Clémentine Touré, on sait quand même qu'elle a été du côté de la Guinée équatoriale où elle a remporté, je crois, 2 Coupes d'Afrique des Nations. Et c'est comme ça qu'elle arrive à la tête des éléphants. L'équipe de Côte d'Ivoire regorge du talent, puisqu'on voit des joueuses ivoiriennes un peu partout ailleurs. Mais maintenant, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à s'imposer dans le jargon du football africain. Aujourd'hui, on parle du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Cameroun. Bientôt, on parlera du Maroc, parce qu'on voit le travail qui est en train d'être fait. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui gêne? Quel est le problème? Le problème, c'est l'organisation. C'est tout. L'organisation. On s'occupe beaucoup plus des garçons que des filles. Oui. Il y a beaucoup plus d'intérêt au niveau du football masculin que féminin. Oui, mais ils investissent tout là-bas. Tout ce qu'ils doivent faire pour les filles, ils ne font pas. Seulement que venez jouer. On ne peut pas jouer sans être motivé. Il faut la motivation aussi. Souvent, la motivation morale aussi, ça peut apporter un plus. Bon, avant de parler de motivation morale, vous voulez dire qu'on ne vous donne rien en sélection? Donner rien. De l'argent? Il vient de la sélection, j'ai reçu 5 000 francs. 5 000 francs? Ok. De primes? Justement, je pense qu'on a besoin de la motivation. Même la motivation morale peut donner plus. On n'a pas forcément besoin. Ça ne paye même pas ton taxi pour rentrer à la maison? Les autres, mais le computer pas dit. Alors, avec ça, tu te dis quand même que tu peux revenir demain. Je ne joue pas pour l'argent, pour la sélection. Je vais pas jouer pour l'argent. Qu'est-ce que ça fait de savoir que lorsque les garçons jouent, on parle de 30 millions de primes de match, 30 millions par joueur, et lorsque les filles jouent, il n'y a rien qui a été défini au départ. C'est-à-dire, on ne vous dit rien dès le départ et à la fin, on vous tend 5 000 francs. Ça fait, est-ce que tu te sens trahi, discriminé? Tu vas te déplacer d'un pays à l'autre pour recevoir une telle somme. Nous sommes tous des humains. On a tous le cœur. C'est un peu difficile d'accepter ça, mais on fait avec quoi? Alors, est-ce que vous, entre vous les filles, vous essayez d'en discuter? C'est-à-dire, vous qui êtes dans l'équipe nationale, parce qu'il y a derrière, n'oublions pas qu'il y a la sélection des U17, il y a la sélection des U20, elles viendront vous remplacer demain. Il ne faut pas quand même qu'elles vivent les mêmes choses, mais il faut maintenant commencer quand même à... Le combat est en train de se faire. Le combat est en train de se faire. Et on espère que ça va, voilà, que ça sera entendu. Ok, revenons sur le terrain. L'équipe nationale féminine a été éliminée pour la CAN 2023 par le Nigeria. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé logiquement? Est-ce que c'est parce que le Nigeria était très fort ou alors c'est parce que vous avez totalement manqué votre match? Je peux dire qu'on a totalement manqué le match parce qu'on a tout donné. Au match aller, la Côte d'Ivoire a joué comme elle pouvait jouer, elle a tout donné. Mais malheureusement, ils sont sortis avec 2-0. Au retour, on voulait donner une bonne image au public ivoirien parce que c'est sur notre terrain joué. On a joué et on a encore perdu. Je peux dire qu'on a raté le match, sinon c'est parce que la Côte d'Ivoire ne joue pas. On a perdu, on a complètement raté le match. Est-ce qu'il y avait une motivation? Bien sûr. Je veux parler, est-ce que vous avez reçu des messages de motivation de la part des instances? Oui. On a reçu des messages de la part de notre dévancier Didier Drogba. On a eu pas mal de moments de la fédération aussi, dont j'ai oublié le nom. Madame Dao, qui était la présidente de la normalisation à l'époque. On a eu quelques motivations, quelques petits
mots d'encouragement et autres. On a fait ces comptes. Mais on se disait quand même que la présence de Madame Dao aussi, c'est vrai, ça ne vous concerne pas, pouvait changer quelque chose parce que c'était une dame et qu'elle pouvait se mettre à la place des filles et essayer, n'est-ce pas, de mettre en avant des moyens pour pouvoir vous aider. Mais à la longue, c'est difficile de comprendre que jusque-là, voilà, vous vous fassiez un tout petit peu délaissé. Non, en quelque sorte, je ne peux pas tout rentrer dans ce débat-là, parce que je viens d'arriver aussi dans cette sélection. Je viens d'arriver dans cette sélection, donc il y a des trucs que je ne veux pas dévoiler, mais mêler à ça. C'est un peu ça. Maintenant, donc, vous endossez, la première fois que vous entrez à l'équipe nationale, c'était en quelle année? Ma première présélection, c'était en 2012. En 2012. Voilà. Vous étiez encore à Abidjan? J'étais encore à Abidjan. Comment tu as reçu l'annonce? C'était par à la télé, à la radio ou on t'a appelé au téléphone? Je crois bien que c'était par des messages en message. On voyait le message au club pour dire qu'il y en a besoin de telle joueuse. Et dans ton club, Étoile Sportive d'Abobo, il y avait combien de joueuses qu'on a sélectionnées? Est-ce que tu peux encore avoir une idée? Oui, que ça fait. Nous étions, je crois, trois. Nous étions trois. Et la joie, c'était la joie? Oui, c'était. Ah, pour une première année au championnat, tu as appelé en sélection. c'était vraiment inexplicable, quoi. Voilà. Tu arrives donc en sélection pour la première fois. C'est en 2013, tu as dit. En 2012, après. En 2012, la première pré-sélection. Et en 2013, il a joué pour le U19. Alors, qu'est-ce qui se passe, l'ambiance en sélection? Est-ce que l'ambiance en sélection est différente de l'ambiance en club? Oui. Pourquoi? Parce que en sélection, il y a plus de serrure. Il y a plus de serrure, plus de concentration et puis autre. Moi, au club, on joue, on a envie de s'amuser au fait. Chacune va faire ce qu'elle veut. Moi, en sélection, tu luttes pour le drapeau. Tout à fait. Tu te dis que tu portes le drapeau, tout un pays vas sur ta tête. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi beaucoup plus de pression? Bien sûr. Non, la pression, ça vient de là-bas. La forte pression vient de la sélection. Mais on essaie de s'oublier et puis bon, mais mettre la pression de côté et se concentrer sur le jeu. Alors justement, les regroupements en sélection, ça se fait par des joueuses qui jouent ailleurs. Tu es au Maroc, il y a certaines qui sont en Europe, certaines sont sur place à Abidjan. Quand vous vous retrouvez en sélection, vous parlez quelle langue? On parle français. C'est chez nous. On parle français. Je sais que vous parlez français. Bon, maintenant, je veux savoir, vous communiquez de quoi? Est-ce que toi, tu leur dis, n'est-ce pas, de ce que vous vivez, oui, au Maroc? Chacune parle de son expérience qu'elle vit. Et après, vous essayez de faire une balance. Après, on s'oublie, puis on commence à parler comme si on s'était vu. Comment les filles qui jouent à Abidjan vous regardent? Tu arrives en avion, tu atterris à l'aéroport, tu as appelé en sélection. Quand tu arrives, tu n'as pas les airs de pro? Pourquoi? On est tous passés par les. On a tous été locaux. Oui, mais je sais que les autres filles, elles vous regardent souvent vers le haut. Non. Un peu crispées, un peu timides. Non. Ça là. Ce regard n'est pas qu'on fait la remarque en tout cas. Ah bon? Non, c'est peut-être parce que tu es à l'intérieur. Oui, peut-être. Je sais pas. je t'enverrai une vidéo, tu verras. Ok. D'accord. Maintenant, quand même, est-ce que vous essayez quand même d'échanger avec les filles locales et leur dire, bon voilà, tenez, c'est pas facile là-bas, ne croyez pas que c'est facile, il faut travailler et tout, vous les encouragez? Oui. Parce que je sais que toutes veulent partir. Oui, ça c'est clair. Oui, je cause avec les filles avec qui je suis en contact, je cause avec elles lorsque je vois une photo du match ou bien les pubs. Qu'elles voient une photo, qu'elles publient, je lance que des mots d'encouragement, quoi, parce que je sais que c'est pas facile. Nous, on sommes sortis, on dit ici, c'est pas facile, mais au pays, il n'est pas mieux. Au pays, il n'est pas mieux. Tout à fait. Alors, parlons toujours de l'ambiance dans la sélection. Quand vous arrivez en regroupement, vous êtes, n'est-ce pas, parmi les meilleurs. Les meilleurs, il faut le dire, parce que la sélection, c'est l'ensemble des meilleurs joueurs, les meilleures joueuses de la nation. Est-ce qu'il y a une concurrence qui se vit à l'intérieur en ce moment-là? Chacune veut prouver. Chacune cherche sa place. Et lorsque, c'est-à-dire, si moi j'ai qui s'est quitté ici, je suis allé te croiser une autre joueuse aussi. Sans le même poste. Qu'est-ce que je vais faire? Il va travailler.
chaque mais tu n'as pas, et puis tu n'as pas assez de temps aussi, parce qu'en sélection c'est des regroupements d'une semaine, c'est pas très long. C'est pourquoi lorsque tu es en club, il faut travailler. C'est en club qu'il faut travailler. Il faut travailler. La sélection c'est là pour faire la finition. Alors Sylviane, quand tu arrives en sélection, toi personnellement, tu te dis déjà que bon voilà, moi c'est Sylviane, je suis déjà titulaire, je n'ai plus besoin de donner, de travailler plus que les autres. Est-ce que la place est acquise? Il y a quelque chose qui se passe toujours dans ma tête, que ce soit en club ou en sélection. Il dit, je ne finis jamais d'apprendre, non, je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Là où je vais, il faut que je travaille. Ouais. Donc, je dois prouver ce que j'ai dans les pieds, il faut que je m'explique. Quelle est ta relation avec Madame Clémentine? Oui, c'est une maman. C'est une maman. C'est une maman. Vous vous appelez? Bon, je communique avec elle par le biais de mon manager. De ton manager. Ouais. Pourquoi pas directement? C'est le respect. C'est le respect, merci. Je ne veux pas vous déranger. Tout à fait. Je comprends que... Pourquoi j'ai posé cette question? Tu sais pourquoi? Pourquoi? Voilà. Parce que tu as commencé par me parler du fait... Par nous parler, parce que tu ne parles pas qu'à moi, tu parles à tous nos abonnés aussi, du fait que tu as eu à laisser ta place dans un club pour une joueuse ivoirienne sans toutefois tenir compte de ta situation. Donc j'ai compris que tu avais une éducation un tout petit peu particulière, le respect, la reconnaissance et l'envie de voir une autre personne heureuse. Donc, je voulais savoir quelle était la relation que tu entretenais avec Madame Clémentine, le coach Clémentine, si vous voulez, pour voir un peu s'il y avait une différence entre ce que tu m'avais dit dès le départ et ce que tu vis en sélection. Et justement, la réponse va vers ce que j'imaginais déjà dès le départ. Je sais très bien que tu as toujours cette envie-là de faire un peu plus. Donc tu as des rêves, et les rêves c'est aussi avec la sélection nationale. Aujourd'hui, quels sont tes rêves avec la sélection nationale? De gagner des titres avec l'équipe. D'écrire une histoire. D'écrire une histoire avec la sélection. Aller de l'avant. Même participer au mondial, quoi que ce soit, c'est tout un rêve d'enfance. Maintenant, l'élimination en Coupe d'Afrique vous permet de vous remettre en cause? Ouais. De voir un peu ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, ce qui n'a pas marché. Il y a reçu quelques critiques du coach et ça m'a permis de travailler. Est-ce qu'après cette élimination, vous avez eu à discuter en groupe? C'est-à-dire entre vous les filles? Moi non, je suis directement en club. Et c'est oublié. J'ai oublié les problèmes. Il me concentre sur ce qu'il y a à faire, c'est tout. D'accord. Est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi nécessaire de parler un peu de cet échec-là pour préparer les victoires de demain? Moi, je ne suis pas trop... Je suis pas trop en contact avec les filles de la sélection. Et chacune a de ses occupations. Je n'ai pas parce qu'on tentait de dire, ah, c'est con. Moi, j'ai vu trop de choses. Donc, après tes entraînements, tu communiques beaucoup plus avec la famille? Avec la famille et aussi avec mon manager. D'accord. Maintenant, la sélection ivoirienne de football va manquer une Coupe d'Afrique qui se joue au Maroc, ta terre, ton deuxième pays, ta deuxième famille. Oui. Mais tu seras dans les gradins pour voir les autres bien sélections sûr, jouer. Dis-moi déjà en avance comment tu vas te sentir. Très mal. Très mal. Mais tu auras... Quitter le pays pour venir, il y a déjà très mal. Mais tu auras le courage d'aller voir les matchs. Bien sûr. Ce sont mes vacances que je suis fait. J'allais juste soutenir le pays, mon deuxième pays. Il a même porté le maillot marocain. Est-ce qu'il y a des regrets? Ouais. Beaucoup de regrets. Il y a mal. En club, on ne t'a pas posé la question de savoir que ça n'a pas marché? Ouais, toujours. Toujours. On aurait aimé voir un Maroc, Côte d'Ivoire, en club. Cette élimination fait très mal, c'est vraiment difficile. Il y a certaines joueuses de étoiles qui sont en sélection. Il y a certaines. Ouais. Il y en a. Il y a Mien Sandrine, une attaquante pour ce qui est de la sélection. Raison pour laquelle tu devrais, n'est-ce pas, aller soutenir l'équipe du Maroc. Moi, je lis un peu le sentiment qui t'anime de savoir qu'une grande, un grand événement comme celui-là va se jouer dans un pays où tu joues et que tu ne prendras pas part, tu seras plutôt spectatrice. Voilà, j'essaie un peu de voir le sentiment qui t'anime, mais
Quand tu es rentré de ce match contre le Nigeria et que tu as compris qu'il n'y avait plus rien à faire, comment est-ce que tu as essayé de gérer cela pour que ça passe? Quels étaient les mots? Il y a eu des appels de motivation. Maman t'a appelé aussi? Maman m'a appelé. Même étant en sélection, lorsqu'on avait droit à nos téléphones, la première personne que j'appelais, c'était maman. Mm-hmm. Et finalement, il appelle aussi mon manager. C'était vraiment difficile. Mm. Ça t'a pris combien de temps? Donc, même à présent, j'écoutais toujours mal. Mm. Puisqu'aujourd'hui, il y a moi, donc c'est moi là. Tant que cette compétition n'est pas passée, là, il y aurait toujours ce mal. Ouais. Donc, il faut participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pour oublier ça. C'est ça. Je vous le souhaite d'ailleurs. Merci beaucoup. Ça, c'est sûr. Avec le travail, certainement, ça va arriver. Mais l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quand même, le football ivoirien, quand même, il faut le dire, c'est un football qui a mené l'Afrique au sommet. Donc, quand on parle des hommes, en même temps, on ne peut ne pas parler des filles, parce que c'est le même pays, c'est le même ballon que vous jouez. Donc, si on sait qu'il y a des talents chez les garçons, il y a aussi forcément des talents chez les filles. En réalité, dans la somme, tu penses que lesquelles nations font la force du football féminin en Afrique ? Je viens d'abord parler du Nigeria, l'Afrique du Sud. Mm-hmm. Aujourd'hui, je parle du Maroc. Aujourd'hui, du Maroc. Oui. Est-ce que vous voyez le travail qui est en train d'être fait au Maroc? Ça vous donne envie de taper sur les dirigeants ivoiriens? Non, je ne peux pas les taper. C'est une façon de parler. Oui, mais je ne peux pas le faire. Voilà, mais ça donne quand même, ça fait quand même rêver. Hein. Oui. Mm. Et tu te dis quand même que bon voilà, si on nous mettait dans ces conditions-là et qu'on mettait un peu de sérieux, on pourrait être meilleur. Quand je vois les conditions dans lesquelles, je parle de ce que je vois, les conditions dans lesquelles le Maroc est, dans les conditions que le Maroc est, à Côte d'Ivoire, il faudrait plus que ça. Mmh. C'est peut-être des mêmes conditions, non. Je te jure que tu allais être au top ou au niveau. Mmh. Alors, tu es footballeuse internationale, tu es actrice, donc tu joues tous les jours et tu vois aussi les autres championnats. Quel est le championnat qui te fait rêver? Championnat de football féminin qui te fait rêver dans le monde? Championnat français. Championnat français. Ligue français. Pourquoi? Parce que il y a comment dirais-je, comment je peux dire ça? Aujourd'hui, je peux dire il y a du professionnalisme à ce niveau-là. Mmh. L'Europe, c'est pas comme en Afrique. Surtout au niveau français, du championnat français, quand je vois l'équipe de Lyon, c'est une équipe de waouh. Et ton club de cœur? C'est le Lyon. C'est Lyon. Lyon. Du côté féminin, hein. Bien sûr. Lyon. Et du côté masculin? C'est le Real. Ouais. Ah, L'Oréal. L'Oréal va perdre demain. Non, dis pas ça. Moi, j'ai déjà vu. Non. J'ai parlé avec Sadio. C'est pas grave. Ah bon? Il est blessé même. Ça ne te fait pas peur? Non. D'accord. En tout cas, on se rappellera après le match. Ok. Il n'y a pas de souci. Ok. Comme on est dans le football féminin, on continue notre entretien dans cette discipline-là. Vous représentez aujourd'hui les valeurs sûres du football africain, parce que là, on parle de notre continent, qui tarde encore à prendre les mesures nécessaires pour atteindre le sommet. Qu'est-ce qu'il faut pour que le football africain, football féminin en Afrique, puisse, n'est-ce pas, côtoyer les autres? Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être deux sélections qui vont en Coupe du Monde, je crois, et on ne parvient pas à faire mieux. La barre, c'est 8e de finale, et les représentants sont dehors. Toi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Puisqu'il y a le talent. Il y a le talent, il y a la qualité. La preuve en est que ces clubs-là viennent chercher des joueuses en Afrique. Ça veut dire qu'il y a de la qualité. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut du sérieux aussi dans le travail. Il faut aussi l'organisation. Parce que tu peux dire, oui, je suis meilleur. Mm-hmm. Tu es meilleur en quoi? Tu peux avoir le talent, mais s'il n'y a pas de suivi, ça ne peut pas suivre. Ça ne peut pas aller. Est-ce que tu y crois quand même? J'y crois. J'y crois qu'il y aura un grand changement. Mm. Dis-moi un peu, dans le football africain aujourd'hui, le football féminin en Afrique aujourd'hui, il y a quand même certains pays qui travaillent, qui bossent, et il y a d'autres qui traînent encore le pas.
les problèmes sont beaucoup plus structurels. Donc, il manque de cadres d'entraînement, parce que vous avez évoqué les problèmes lorsque vous allez en sélection, les manières de travailler, autres et tout. Est-ce que entre vous les filles, vous en parlez? Parce qu'il y a une génération qui vient derrière, vous dites, bon voilà, ce que nous on vit aujourd'hui, il ne faut pas que nos petites sœurs vivent cela demain. Aujourd'hui, je peux dire, ça ne vaut même pas deux mois. Mm-hmm. Ça ne vaut pas deux mois, il y a une de mes dévancées qui faisait ce combat-là, mm-hmm. sur les réseaux sociaux, qui parlait de celles qui viennent derrière. Mm-hmm. Elle ne parle pas pour elle aujourd'hui, mais elle parle de ce qui vient après. Mm-hmm. Je peux dire qu'en quelque sorte, il a la communication sur ça. Mm-hmm. Il a la communication sur ça. Et elles font le combat. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je viens d'entrer dans cette sélection-là maintenant. Mm-hmm. Il y a des choses que je ne peux pas... Tout à fait, tu observes encore. Tu essayes de... Alors, on tire vers la fin de notre entretien. Tu es une fille, une joueuse ambitieuse, tu es encore jeune, tu as du talent. Tes objectifs, c'est lesquels, personnellement d'abord? Mes objectifs, c'est peut-être un exemple aussi pour mes petites soeurs qui viennent après moi. Mmh. Qui viennent après moi. Mmh. Et aussi, continuer de travailler. Mmh. C'est-à-dire, pour gagner des titres. Mmh. Que ce soit en club. Ou en sélection. Mmh. Apporter toujours un plus là où je vais. Dans 5 ans, tu te vois dans quel club? Dans 5 ans, mmh. Tout dépendra de Dieu. Tout dépendra de Dieu. Tout dépendra de Dieu. Mmh. Mais le plus important, c'est l'Europe. C'est d'aller de l'avant. D'aller de l'avant et de travailler. Mmh. Alors, est-ce que tu as quand même un message à apporter aux jeunes footballeuses ou encore à celles-là qui vous regardent aujourd'hui du côté d'Abobo et qui vous voient déjà à un niveau assez élevé? Tu as un message à leur adresser? Oui, le seul mot que je peux leur donner, c'est d'être fixé sur le travail. Mm-hmm. Il leur donne le courage de travailler. Il ne faut pas vous impliquer les critiques qui se disent les mauvaises paroles. C'est-à-dire, il y a aussi vécu ça. Mm. Quand ils passent, on dit, oh, c'est un fille-garçon. Souvent, ça pousse les filles d'être frustrées. Elles sont complexées. Elles n'ont pas fait ce qu'elles ont envie de faire. Mm. Tout ce qu'il faut, c'est de travailler, de rester focus. Et se focus sur ce qu'elles ont choisi. Elles ont choisi de faire. De choisir de faire et tout viendra avec le temps. Mm. Alors, échange avec Sylviane Adjoa Kokora. Merci d'être passé. Merci, monsieur. Ça a été un plaisir. Merci, proc. J'espère que, voilà, c'est ta maison ici. On espère te revoir après la finale de la Coupe du Roi. Bien sûr. Que certainement Sporting Club de Casablanca remportera. Je vous souhaite déjà d'abord de vous qualifier pour cette finale-là et espérer vous revoir ici pour qu'on en parle. Moi, je vais vous laisser. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette émission. Je vous retrouverai certainement pour un autre sujet avec un autre invité. Sur ce, portez-vous bien et très bon week-end à vous.